Oui, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live sur City of Gangster. On continue notre petite aventure et ça se passe plutôt bien. Et il y a une grande nouvelle, j'étais en train de regarder les compétences disponibles et en fait, tous ceux qui nous apprenaient l'amaretto amélioré, apprennent maintenant le speakeasy de quartier. Donc, il devait y avoir un blocage ou quelque chose qui faisait que on pouvait pas apprendre cette compétence tant qu'on n'avait pas appris l'amaretto amélioré. Peut-être qu'ils considéraient ça comme un tiers 2 ou un truc du genre, parce que moi j'avais cette compétence de base d'alambic d'amaretto, mais peut-être que c'était pas considéré comme une construction tier 2. Je ne sais pas. Donc en tout cas, du coup, on va pouvoir enfin travailler là-dessus, et ça fait plaisir. Et je pense qu'on va tout de suite aller s'en occuper. Non, là on était au volant. Alors Squashy avait plus grand chose à faire. À part s'occuper de ses tonneaux, je pense qu'on va l'envoyer faire un coup. On va passer ce petit premier tour. Ah, on a une sauvegarde. Auto, pas de chance. Et du coup, on vient juste d'améliorer notre truc, là. Et on va pouvoir le changer. L'organisation Sorokin veut nous parler de quelque chose. On n'est pas en guerre contre eux. Non, on n'est pas en guerre, ok, on va aller voir peut-être ce qu'ils nous veulent. Ici, on a terminé la construction du petit bar, qui va nous permettre d'améliorer la performance de tout le reste. Ouh, putain, on a perdu 600 balles par contre. Ah oui, là, il y a eu un gros gain pour ce monsieur-là. Ouais, ça va acheter quelques bouteilles quand même. Ok, très bien. On avait Flo du coup qui était venu chercher des petites étiquettes. On va le faire tout de suite. Il en faut 25. Toc, voilà. Et après tu repars. C'est un truc dans le coin, c'est là. Tu repars là. Et salut Kenton, bienvenue sur le live. Et mince, je me suis gouré de personnages, tant pis. On trinque au signe. Ah, j'ai malheureusement pas de café sous la main tout de suite là. Mais j'en ai déjà pris un premier café pour la journée. Bon, j'ai envoyé Squashy sans faire exprès au mauvais endroit. On va le faire demi-tour. Il faut qu'elle livre des petits tonneaux ici, donc elle ira là, et nous du coup on va aller chercher immédiatement notre potentielle nouvelle compétence. Ah, ici on a une dette à prendre. Un pick-up. Un nouveau pick-up, on a quoi comme voiture de rab? On a un pick-up de berline, ouais. Tout à fait Kenton, c'est parti pour ce deuxième samedi et regarde, truc de fou, toutes les compétences amaretto améliorées se sont transformées en speakeasy de quartier. Donc je pense que je devais avoir de base, parce que j'étais à New York avec le DLC, la capacité de construire un alambic d'amaretto, mais c'était pas considéré comme un truc tier 2, et dès que j'ai découvert la compétence, et ben boum, je peux maintenant construire un speakeasy de quartier quoi. Alors ce qui est un peu la loose parce que je viens juste de lancer la construction de ça quoi. Mais c'est pas grave, hein. ça sera pas perdu, on va améliorer quand même le truc. Donc par contre on va aller chercher la compétence tout de suite. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous l'apprend là? Non, il y a personne. Ici elle nous l'apprend, ça c'est sûr. Donc en avant. Squashy, on va la faire déposer ses tonneaux et après je pense qu'on va la faire lancer un coup. Alors, une nouvelle compétence. Le speakeasy de quartier. Bien sûr que c'est absolument utile. Il faut 2500 balles. C'est la teuf. Alors là, du coup... Ah oui, t'as plus de moonshine disponible. Si t'en as encore un peu. On prend ça et on va ici. On ira chercher le reste. C'est parti.
Alors là, il y a de nouveau une dette. Ici, on vend plein de trucs. C'est parfait. Toi, tu vas là. Persévère, ça paye toujours. Exactement. Exactement, exactement. C'était là. C'était là. Squashy, il faut qu'elle revienne ici. Déposer ses trucs et après on en lancera faire un coup vu qu'on n'a pas grand chose à faire avec 3 muscles pour l'instant. On a éliminé nos adversaires. Il y a l'organisation Sorokin qui veut nous parler. On n'a rien fait, jamais rien fait avec eux, alors du coup je sais pas trop pourquoi ils veulent nous parler, on ira voir ça. Peut-être qu'il peut y avoir des interactions intéressantes. Même quand on est pas adversaire. Alors, interagissons. J'envisage de monter un coup. Il faut 1000 balles. Ah oui, on a, du coup on a plus 1000 balles parce que je viens de sortir l'argent, c'est ça? Bon, on va aller s'occuper de ça, il nous reste 12 points. On va déposer la thune et on a le speakeasy de quartier. Et ça, ça fait plaise. Ça, ça fait bien plaise. Par contre, il faut de la thune. On va venir la chercher ici. Hop, hop, toc, on prend ça. On va tout là-bas. Alors, est-ce que ça va suffire? Oui, il manquait pas grand-chose. On est reparti, Squashy, ma chère. Lance-toi dans un coup. C'est parti. Ensuite, Flo, qui est toujours en 3, il va pouvoir filer les étiquettes et on va voir les affiches promotionnelles. Et ça, c'est très très cool. Donc il y a lui qui nous doit quelque chose, donc on va rameuter Flo. Et toi du coup, il va falloir que tu récupères un petit peu de sous quand même. Et que tu finisses d'acheter ce qui nous manque là. Alors, il nous faut encore 6 tonneaux je crois. Tac tac tac, voilà. C'est ça, il nous faut 6 tonneaux et il nous faut surtout 4000 balles. Mais déjà les 6 tonneaux. Alors les tonneaux, on en achetait dans le coin. Là, par exemple. Ici, très bien. C'est qui qu'il faut qu'on recorrompe? C'est lui. Il va falloir qu'on s'en occupe, effectivement. Ah! Il y a des réorganisations dans le coin. Là. Les Sorokin, ils sont en train de continuer de se débarrasser de... de cette organisation là qui va finir par couler, on dirait. C'est vrai qu'ils sont en train de devenir vénères. Hein. Très très vénères. Alors, c'est pas très grave pour l'instant, ça nous intéresse pas outre mesure. Lui il nous faisait un prix, il nous en faut 6. On va déposer là et après on va commencer à récupérer tranquillement l'argent. Et salut Falsag, bienvenue sur le live, comment ça va? En ce beau dimanche un peu plus frais que les dimanches moins frais. Toi tu vas là, tu vas t'occuper de ce monsieur. Non, je pourrais accepter de l'alcool, tiens, très bien. Du cidre. Trouve-nous du cidre, mec. Démerde-toi. Alors du coup, ici, si on veut améliorer en speakeasy de quartier, il nous faut 10 bois et 2000 balles. Franchement, ça se fait. Hein. Ça se fait carrément. Ça se fait carrément, 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 carrément. 10 bois et 2000 balles. Et on est 67% plein ici. Ok, très bien. Tu finis le live de hier et tu reviens, et ben écoute, à tout de suite alors. A tout de suite, à tout de suite.
Donc là on a déjà du bois, on est d'accord, 4 de bois, 4 de bois, il en faut 10. Right, 10, donc il nous faut 6 de bois. Tac tac tac, on avait pas mal entamé nos réserves de bois ici, mais vu qu'ils sont deux en vente, je pense qu'on peut quand même aller se permettre d'en faire un tour. Par caisse, et toi tu nous as un prix ou pas? T'as une quête, c'est quoi? Nanana, le bière artisanal. Non, la fabrique de bière artisanale, c'est pour l'instant pas le thème. Je voudrais du bois et je voudrais que tu me fasses un prix. Merci. Et on a dit qu'il nous en faut 6. On va passer là, on va récupérer un petit peu de thunes et on va aller s'occuper de la corruption de notre cher ami policier. Là il faut 2000 hein, pour lancer le truc. Ouais, 2000, sachant qu'on a notre coup en place, en cours. On va déjà s'occuper de la corruption, c'est la priorité. Toi t'as 300 balles sur toi. Ici, est-ce qu'on a de l'argent? On a un petit peu d'argent ici. Pourquoi on a de l'argent ici? Est-ce que le restaurant il nous file de la thune de temps en temps? Peut-être. Tu vas aller là. Ici on a 600 balles qu'on va récupérer. 98% plein. Tu vas aussi récupérer de la binouze. Et tu vas aller stocker tout ça là-bas. On est bien. Ah, on n'a pas eu assez de matières premières, toujours là-bas, faut vraiment qu'on trouve quelque chose à faire. Alfred Brunner. Il faut plus de points d'action, mon cher Alfred. L'organisation Mariani, alors le mec il va venir jusqu'ici parler avec nous. On va aller parler avec eux après. On va s'occuper de la corruption. Et après, on va aller papoter avec eux. Coucou. 520, ça me va. Est-ce que tu peux nous trouver du matos? Ouais, un revolver. Ça sera toujours utile pour les prochains casses, n'est-ce pas? Alors Flo, t'es rendu là, tu déposes la thune, 2000, tu vas déposer un petit peu de bière, puisqu'on en vend maintenant, et on va se lancer dans le speakeasy de quartier, c'est parti. En avant. Et on va pouvoir vendre nos ressources, alors de mémoire, ici, non, là, on avait déposé un peu de trucs, hein. Oui, on a des cigarettes, on a du cidre... c'est tout ce qu'on a. On va pouvoir aller chercher les cigarettes. Toc. Cigarettes. Et donc du coup toi toc toc toc. Alfred Brunner qui fait ta collecte. Non, c'est pas toi, c'est Malvin qui fait la vente. Normalement, il récupère de l'amaretto. J'aimerais qu'après avoir récupéré de l'amaretto, t'ailles en déposer ici. Pas tout, tu déposes jusqu'à ce qu'il y en ait genre 30. Tac, et après tu iras vendre le surplus. Juste là, voilà. Donc là, il va faire un petit aller-retour, il va aller ici, revenir là, c'est pas très grave. On s'en remettra. Donc, on est en train d'aller papoter avec Flo. Il a récupéré les cigarettes, on est d'accord. On va garder un petit peu de bière d'avance. Tu vas récupérer le gin aussi. Et on va aller le déposer, c'est là, ici. Voilà. Il va falloir 4 tours pour que ça se construise, mais au moins, dès que ça sera construit,
on pourra commencer à vendre. On récupère ça pendant que tu y es. Puis un petit peu de fruits. Ensuite, il va nous falloir plein de sous ici. Ça va, on a quand même de quoi faire. Et on diminue petit à petit notre réserve de sirop de maïs là. Notre moonshine par contre c'est compliqué. C'est compliqué de le diminuer. Allez, on passe le tour. Alors, Alfred Brunner. Bah ça sera Alfred Falsag Brunner. Oh yeah. Toc, toc, voilà, très très bien. Bon, là, on a de la réserve. Alors, toi, du coup, tu veux parler avec ce monsieur. Est-ce qu'il nous agresse? Pareil que vous vouliez me voir. Je suis aussi pour vous demander un grand service. Mon gang est engagé dans un conflit assez grave avec l'opération marine depuis un certain temps. J'aimerais pouvoir régler ça à privé, déjà, je crois que nous avons besoin d'aide. 5000 balles et une guerre commune contre l'organisation de Mariani. Bah ouais. Carrément. Carrément. On prend. On prend, on prend. On va aller déposer ce petit pécule. Bah du coup là, je pense. Hein. Et on va aller en terminer avec l'opération Mariani rapidement. On sait en plus que leur... leur truc est dans le coin, probablement. Leur planque est dans le coin. On sait que Bernard Mariani vient ici pour discuter avec nous. On va lui mettre un petit coup de couteau dans le dos, exactement comme Url Chobiti à côté. Et là, on va lancer notre fabrique de gin. Il va nous falloir un nouveau livreur par contre. Ça tombe bien, on peut recruter une personne. Est-ce qu'on a un livreur intéressant ? Alors, il nous faudrait quelqu'un d'agile éventuellement. Agile, fort et vigilant. Ça c'est pas mal. Eleanor Allen. Allons-y, on va chercher Eleanor Allen. C'est sur le chemin en plus. On ira déposer notre thune peut-être avant. Et toi pareil, Brennan, tu vas aller déposer ton pécule, garder ta Thompson et on va aller tranquillement... s'occuper de tout ça. On va récupérer Falsag, il va avoir l'occasion de faire ses preuves. Où est-ce que tu es? Tu es là. Tu vas mettre fin à ta collecte 2 secondes. On va te récupérer une arme potable. On doit avoir une Thompson ici, je crois. Hein. Ouais, la Thompson de Squashy. On va prendre la Thompson de Squashy discrètement pendant qu'il n'est pas là. Et toi Flo, t'as un pick-up. Il nous faudrait quelqu'un d'autre. Je pense qu'on peut dévier Canton de son opération de seconde. On en est où là niveau bouteille? On a 145 bouteilles d'avance, ça va. Ouais, toi Canton mon cher, tu vas nous accompagner avec ton camion. Tu vas aller déposer tout ce que t'as là. Enfin, en plus, t'as une Winchester, c'est parfait. Et on va aller tranquillement jusqu'ici. Alors, Canton, c'est parti. Prends la route parce que t'en as quand même pour un petit moment. Alors on a tellement de gens qui ont des dettes. Ici il y a quelqu'un qui s'arrête là. Chocho, est-ce que t'as des points de mouvement? T'as un point de mouvement. Tu vas venir ici. Récolter la dette. Ah, il est en fuite. Bah écoute, il est en fuite, c'est pas grave. Donc toi tu passes ici.
tu vas récupérer une Thompson. En plus, t'as exactement la même tête que l'homme que tu dois tuer. Tu pourras même te faire passer pour lui. C'est parfait. Alors, on va ici avec toi. On envoie Flo également. Ah oui, non, c'est vrai, je devais faire le recrutement, merde. T'es où, je signe. Ah, t'es déjà rendu là. Bon. On va faire le recrutement avec quelqu'un d'autre, tant pis. C'était Eleanor Allen. Et elle était juste là, à côté de Ziki. Qui a plus de points de mouvement, malheureusement. Ziki galère déjà, donc c'est plutôt toi, mon ami Falseac, tu vas aller t'occuper du recrutement, c'est sur ta route. Alors, repérage des lieux. On n'a toujours pas de papier. On va donc rassembler une bande. Falseac, c'était ici qu'elle était la dame. Toc, toc. Eleanor Allen, c'est ça. C'est parti. On va la recruter. On va faire sa petite... Alors, la planque est là, parfait. Flo, il est pas arrivé encore. Et le signe, il faut qu'il vienne également. Donc on va pouvoir attendre un tour. Ok, là il y a une descente et là il y a une dette à prendre. On a personne qui est proche, mais on a bien quelqu'un qui va repasser dans le coin. Alors Falseac, tout repose sur toi, mais lui il est déjà un petit peu blessé. Il y a quand même moyen que tu puisses t'en débrouiller. Ici tout le monde est arrivé, c'est parfait. Alors, on attaque avec une mitrailleuse, il a quand même un petit pistolet, le monsieur. Ok, il nous a raté, on a réussi à le toucher nous, c'est parfait. Il va falloir qu'on attende le prochain tour pour relancer l'attaque. Et là par contre, notre speakeasy, il est terminé, il est terminé. Et ça, c'est terminé aussi. C'est pas encore terminé, mais il faut qu'on fasse la livraison. Donc on va faire le trajet de livraison. Il nous faut quoi pour ça? Des épices, du sirop de maïs et des petites bouteilles. Très bien, c'est parti. Le gin. Alors, on veut acheter des épices. Oh bah, on peut en acheter plein là, c'est parfait. Il nous en faut 10, donc on va en acheter jusqu'à 10. Ensuite on va aller ici, acheter des épices jusqu'à 10, parfait. Et puis on va aller tout de suite les déposer, comme ça au moins on sera pas emmerdé. On dépose tous les épices. Il faut que je fasse... récupérer de l'argent. En tout premier lieu, jusqu'à, on va lui filer 200, 300, allez, et on va le mettre par contre en premier. Toc, voilà. Donc, t'as fait tes épices. On a l'argent, on a les épices. Maintenant, il nous faut du sirop de maïs qui se trouve également là. Là et là. Ok. Alors on va dédier celui-là à cette fabrique. Tu vas en acheter pas 100, tu vas en acheter 10. Ensuite tu vas aller ici. Tu vas en acheter jusqu'à 10 également. Je crois que le sirop de maïs c'est assez lourd.
Et après, il faut surtout des petites bouteilles en quantité. Des petites bouteilles. Non, c'est un peu loin là. Ah, c'est pas ouf les petites bouteilles, hein. Tu pourras aller en acheter ici. Jusqu'à en avoir. Je crois que c'est 70 qu'il faut, on va aller voir. C'est 60 qu'il faut, ok. Donc on va en acheter un peu d'avance. Jusqu'à 70. Toc, petite bouteille. Non, pas là-bas. C'est déjà suffisamment loin ici. Alors est-ce qu'on va là ou est-ce qu'on va là? Plutôt là. Ça fera plus ou moins une boucle. Tu achètes pareil jusqu'à en avoir 70, ça laissera de l'avance. Et après tu vas aller les déposer ici. Ok, alors du coup. On va mettre Eleanor, il faut d'abord lui filer une voiture. Le pick-up. Toc. Toc. Eleanor, en avant. Alors du coup, c'est pas forcément ouf. Donc elle va récupérer de l'argent. Ça fait loin là-bas pour récupérer de l'argent, mais bon, c'est comme ça. C'est là qu'il y a l'argent. Ensuite, tu vas acheter des épices ici, puis là, puis tu les déposes. Puis tu vas acheter du sirop de maïs. Ensuite, tu vas acheter du sirop de maïs là. Puis tu vas acheter des bouteilles ici, puis tu vas acheter des bouteilles tout là-bas. Puis tu déposes tes bouteilles et j'ai pas fait déposer le sirop de maïs. Toc, 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 toc. Et c'est où? Maïs, S comme sirop. Voilà. Tu le déposes ici. Voilà, c'est pas mal. En avant, fais donc ça. Et par contre, Canton. Alors pour l'instant, tu fais rien, mais du sirop de maïs, t'en achetais ici, hein. Central Storage. On va le dropper ça. Hop, voilà. On achète plus ici. T'ira en acheter jusqu'à 4 tonneaux quand tu reprendras. Mais pas tout de suite, pour l'instant on n'en a pas besoin. Ok, ça c'est parti. On a personne ici pour notre... Si, on a quelqu'un. Non, elle est à côté. Si, on est bien placé. Toc. Un nouveau pick-up. Ouais. Alors Canton, si tu sais me dire c'est quoi vraiment l'intérêt des voitures, je serais assez intéressé. Parce que globalement, je vois vraiment pas trop d'intérêt. Est-ce qu'on peut vendre du vin en brique dans notre speakeasy? Yes. On va essayer, au pire. Au pire, elle s'enfuit elle aussi, hein. C'est pas hyper grave. Donc ici, on avait utilisé notre point d'action. Ici, on est prêt à piller comme des gros connards. C'est parti. Donc l'organisation Mariani est pas contente. Là, la corruption est terminée, c'est pas grave. On va finir le monsieur. Cette fois il nous a touché, mais on l'a tué. On va piller la bagnole. Voilà. Et au prochain tour, on ira se reposer un peu avec Falsehag. Et par contre là, du coup, on peut se faire plaisir. 4 bois, 55 moonshine, un peu de vin en brique. Du cidre, du seigle, parfait. Du seigle et de la bière artisanale. Nickel. Et on va attaquer ce bâtiment avec Matthew, avec Flo Brennan, pour être sûr. Ouais, on est d'accord, Canton, hein, franchement c'est très très mauvais, enfin c'est très très mauvais. C'est pas très très mauvais, hein, mais ça va pas plus vite ou autre, quoi. Il y a vraiment pas d'intérêt à leur filer une bagnole, quoi. On est d'accord. Alors, on est parti, on va rentrer. Alors, on va commencer par Canton. Canton, bah tu vas aller déposer ça à notre speakeasy.
puis ça s'écoulera tranquille. Falsag, il a plus rien, donc il faut qu'il attende. Et le signe, bah tu vas lui déposer ça également au Speakeasy. Et Flo, oula pardon, Flo aussi. C'est parti, on a un petit peu de seigle qu'on ira mettre dans notre production de moonshine ici. Ouais Kenton, je les ai trouvés il y a quelques temps déjà. C'est pour ça que j'ai pu passer Squashy capitaine en exécution, spécialiste des exécutions. Et que du coup elle nous fait un, elle est en train de nous préparer un petit casse. Mais effectivement, hein, cette bande là n'en a aucun. Elle fonctionne uniquement avec les commerces de façade. Et j'en avais trouvé un, bah d'ailleurs chez les Mariani, le premier que j'ai trouvé c'était celui-là. J'en avais trouvé d'autres du côté de la bande qu'on a éliminée ici là. Du coup ça se passe pas trop mal. On continue. Alors le casse. Ah mince, il faut des ressources ici. Flash spécial, des bouteilles de whisky s'échouent sur les plages du lac Michigan. L'origine est un mystère. En termes d'extension, bah écoute, ouais, pas trop mal. Ah, Ruby Moon va bientôt pouvoir être comptable. Elle a enfin ses 1000 d'alcool. Par contre, il faut qu'elle ait construit des expansions aussi. Ah bah ça on va le faire. Pas tout de suite mais on va le faire. L'amaretto, qu'est-ce qui lui manque? Toujours des fruits à coque hein. Ziki t'as du mal avec les fruits à coque décidément. T'en as 5 sur toi. Que t'étais parti pour déposer du coup j'imagine. Ah mais il est plein à 98%. Oh non mais quel enfer. Y a beaucoup trop de bouteilles. Ok, il va falloir qu'on vide un peu ça. Et Ziki, on va te désactiver ton achat de bouteilles. Merde, c'est pas ça. Allez, les changements et revenir en arrière. Déposer les bouteilles, on peut laisser. Acheter des bouteilles. Tac, 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 tac. Acheter des bouteilles, on désactive. Ce qu'il nous faut en fait c'est surtout ça. Et donc il va falloir qu'on vide un peu. Donc on va faire un peu le tour avec tous ceux qui sont rentrés là. Le signe. Tu déposes le moonshine, le vent en brique, ça sera vendu. On a 6000 balles ici, c'est pas mal. Ça veut dire qu'on va pouvoir financer notre coup. On va poser le colt. C'est 89% plein, ça va. On va récupérer un peu de moonshine tant qu'à faire. Puis on va aller le vendre là. Voilà, plein de moonshine à vendre. On peut faire des améliorations. Petit speakeasy. Savoir clandestin. C'est pas si cher. C'est pas si cher, c'est pas si cher. Mais c'est bien ce que je craignais ici. Quand on construit l'amélioration, on perd les extensions. Ce qui veut dire qu'on a tout intérêt à attendre avant de pouvoir faire des trucs de fou, quoi. Alors, vu l'argent qu'on a, on va quand même prendre la trappe et les petites affiches. Celui qui s'occupe des enveloppes peut récupérer la caisse du speakeasy pour le mettre dans la planque principale. Tout à fait, c'est vrai. C'est vrai que j'ai tendance à aller m'en servir un peu comme tiroir caisse régulièrement, mais t'as tout à fait raison. On pourrait faire ça. Ici, on dépose le cidre et le vin en brique. Et Canton, tu vas déposer ici. Le seigle. Et après, t'es reparti. Hop. Alors, Falseag, faut que tu rentres te soigner. Tu vas en profiter pour te réparer. Alors, tu vas déposer ici la matraque, les pistolets de poche et la Thompson. Du coup tu vas garder un pistolet de poche. Tu vas réparer ta voiture.
mais je pouvais pas parce qu'il faut qu'il se soigne avant, donc tu vas te soigner après, tu répareras ta voiture. Flo, t'as cramé tous tes points de mouvement, mais tu peux quand même déposer la binouze. Et le seigle, il faudra le déposer plus haut. Alors, parfait. Il faut qu'on aille vider un peu là. On a beaucoup trop de bouteilles. On en prend un peu. Et on va déposer... Non. Tu reprends ça, tu déposes les fruits à coque, c'est le plus prioritaire. Et tu continues de faire ta popote. Tac, tu vas aller à cette étape là. Et tu vas acheter des fruits à coque. On connaît toujours qu'un seul endroit où acheter des fruits à coque. Hein. Fruits à coque, ouais, il y a toujours que là. Ah, il y en a là, wow, c'est encore plus loin quoi. C'est l'enfer. On va pas aller jusque là-bas. Au secours. Hein. Et donc là on avait la petite quête terminée, alors on va les déposer dans notre entrepôt. Alors les bouteilles ça m'emmerde. Il est encore rempli de bouteilles. Ouais, mais bah on va en prendre un peu plus. Le problème c'est qu'il faut que lui puisse prendre des fruits à coque, donc on va vider ça et puis on va utiliser une autre personne pour transférer les bouteilles ailleurs. Les bouteilles, on en a besoin là, ici, là c'est des petites bouteilles qu'on a besoin. Là-bas c'est des pots en grès, donc c'est-à-dire qu'on pourra aller les poser là. Éventuellement. Et on va rajouter, bah ça sera Falseag. On va lui rajouter de récupérer de l'argent ici. Tout. Voilà. En même temps qu'il fait ça, donc du coup en même temps qu'il va... à l'Eastern Auto Market. Voilà, très bien. Et on va lui rajouter au passage une petite réparation juste là. Toc. Au Eastern Auto Market. Voilà. Parfait. Donc dès qu'il sera soigné, il va repartir, il va faire sa popote. Et on va être riche. On va être riche. Je peux les stocker dans l'entrepôt, mais je vais probablement les oublier. Mais oui, je pourrais les stocker dans l'entrepôt. Et je vais les oublier, c'est sûr. Ici, on en a 140, mais on n'en achète plus, donc on va forcément les dépiler un peu. Même si on est déjà bien plein, malheureusement. Mais on peut enlever du moonshine et aller le vendre ailleurs. Bon, tout le monde a fait son boulot. Alors... il se passe plein de trucs. Lui doit payer sa dette. Lui il a fait 344 de gains, très bien. Ici est-ce qu'on a de quoi faire une première production? Pas encore. 8 tours. Ça laisse quand même le temps. On va voir si elle arrive à faire le tour. Il faut qu'on s'agrandisse pour pouvoir mettre un quelqu'un ici. Ok, il a quand même pu acheter 7 fruits à coque, c'est pas si mal. T'as acheté que 5 petites bouteilles. Pourquoi? Parce que t'es plein. Ouais, avec 10 sirops de maïs, je pense que t'es plein. T'es ouf. T'as plus de mouvement. Ouais, t'as plus de mouvement. Je peux pas voir si t'es là. Non, t'es pas là. T'es pas la bonne. Non. 15, hein, t'es pas la bonne cache, je peux pas voir. Mais je pense qu'il va falloir que je lui rajoute un. Déposer le sirop de maïs, à mon avis. Ce truc là, là. On va le prendre et on va le mettre là parce que je pense qu'elle est trop pleine. Ça pèse très lourd le styro de maïs. Alors ici, on dépose des bouteilles, on embarque du moonshine. On va déposer là. Toc, voilà. Lui il vend bien donc ça se vide. Ici, on récupère des bouteilles. Parce que c'est plein, voilà, et là il va pouvoir commencer à dépiler un peu. Une caisse plus haut. Ok, on pose les bouteilles, on récupère du moonshine. C'est parti.
C'est parti, et Ruffelsag. Alors, Squashy. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié, il fallait que je te lance, excuse-moi Squashy. Alors, Canton, je pourrais construire des garages, mais en vrai, à chaque fois qu'il y a une quête pour avoir un véhicule, ils agrandissent ton truc, donc pas vraiment besoin de s'emmerder au final. Et Falsag, eh ben écoute, ce matin on a réussi à faire notre speakeasy de quartier, ça y est. Et on a été éliminé, l'organisation ici, les Sorokins nous ont payé 5000 balles pour qu'on les aide dans leur guerre, donc on s'est fait un plaisir de les aider et de récupérer la thune en passage. Alors, toi mon gars, t'es prêt? En avant, repars pour ta collègue, tu répareras ta voiture sur le chemin. Et on a des dettes à récupérer. On n'a pas assez de mouvement, donc c'est Flo qui va s'en occuper. En avant. Oh, il serait que t'as du seigle à déposer, ben, tu le déposeras à l'occasion. Et la fabrique de jeans vient de se terminer. Alors, c'est super, mais c'est quoi qu'elle nous livre? On sait pas. Tant pis, on sait pas, c'est pas grave. Ici, on va pouvoir aller finir cette quête, mais il y a un flix dessus. Avec un peu de bol, il sera parti. Elle a déposé du vin en brique grappillé, don de ses os. Alors, une ardoise. Un nouveau pick-up. Alors moi j'aimerais bien avoir des petits camions plutôt que des pick-up, mais bon c'est toujours ça de prix hein, des pick-up. Et la fabrique de jean, bah elle est lancée. Elle est lancée, faut juste que on arrive à acheter ce qu'il faut. L'amaretto. Alors en fait, Falseac, j'ai toi d'ailleurs, Falseac Brunner, hein, qui se charge de faire ce circuit. Tu passes dans tous les petits magasins de façade, tu fais la collecte, tu récupères d'ailleurs récemment sur une suggestion de Canton la thune du speakeasy, et puis à la fin tu mets tout dans notre planque. Donc j'ai même pas besoin de m'en occuper, Falseac travaille pour nous. Toi, va déposer ton seigle viteuf. C'est une caisse plus loin, c'est ça? C'est une caisse plus loin. Hop là, voilà. Récupère du moonshine, parce que pourquoi pas. Mais ouais, t'as une tête qui donne confiance, exactement, on est tout à fait d'accord. Et je pense que ça serait peut-être pas mal qu'on commence à utiliser nos faveurs pour récupérer éventuellement du matériel. Parce qu'on est un peu en déj de matériel. Mais je crois que c'est que les commerces de façade hein, qui permettent de faire ça. Vérifier. Alors, tu veux nous en parler? Des compétences utiles. Bon, pour l'instant, non. J'aimerais bien une petite Thompson. Et toi, tu pourrais nous proposer un nouveau bâtiment pour faire des jeux d'argent. Ouais, ouais, ouais. Je suis pas hyper convaincu, honnêtement, par ce truc-là. Pour l'instant, non. J'ai pas fait de changement au niveau de l'organisation. On a toujours Squashy qui est spécialiste en exécution. Et j'aimerais bien mettre Moon en comptabilité, mais avant, il va falloir qu'on la fasse construire des extensions. Et d'ailleurs, je pense qu'on va se lancer là-dedans assez tout de suite. On va aller déposer de la thune ici et on va s'en occuper après. Tiens bah Flo, tu vas aller chercher les sous. Il y avait un flic que je devais corrompre je crois. C'était pas toi? Non. Si c'était lui. Faut qu'on s'occupe de ça. Faut qu'on s'occupe de tellement de choses.
Ouais, pour les maisons de jeu, en plus, c'est vrai qu'il faut absolument une personne. C'est pas comme les trucs qui peuvent éventuellement fonctionner tout seul. C'est comme les speakeasy, il faut vraiment une personne, quoi. C'est quand même un peu gênant. Non, les Thompson, on va les stocker dans le truc principal. Par contre, on va récupérer un peu de thunes. Oui, c'était la thune pour les extensions, ça. Je suis en train de réfléchir. Là, on a fini la quête. Qu'est-ce qu'on nous propose? Demande de provisions d'inamateur. Ouais. Bon, pourquoi pas, on va regarder ce que ça fait. Qu'est-ce qu'il faut? 250. Très bien. J'ai même pas 250 à bord de gros engins noirs, hein. Ça va pas du tout ça. Flo, tu vas déposer des trucs ici. On va construire des extensions avec Ruby Moon là, et après on ira la mettre dans notre fabrique de djinn amateur, on construira des extensions là-bas. Donc on dépose toute la thune. Et là, alors ça, on peut pas le faire. Ça vaut vraiment le coup, fournir, construire encore plus de bière. Je suis pas sûr. On va prendre la solidarité ethnique, toujours un grand classique. Et on va prendre les filtres industriels. Allez, les filtres industriels, voilà. Il n'y a plus de pot en grès. C'est qui travaille sur la bière? C'est Chocho qui travaille sur la bière. T'es toujours en train d'acheter des pots en grès, hein. T'es pas coincé quelque part de nouveau. Non. Ça va, ça va, ça va, ça va. Alors, Gênes s'est trouvé, Jean s'est trouvé fort dépourvu. Gros engin noir, à ne pas confondre avec GIGL, on est d'accord. On va prendre notre ami Moon. T'es où Moon? Moon, t'es là. On va te mettre ici. Voilà. Donc là, on est d'accord. Je vais vérifier, mais elle est considérée comme ayant construit deux extensions. Hein. Deux, c'est ça, parfait. Et donc ici, on va déposer de la thune aussi et on va s'occuper. Attends, mais pourquoi t'as pas déposé? Ah, j'ai bougé la tâche de déposer le sirop de maïs, donc elle l'a pas déposé. Merde. Tant pis. On a du temps encore. Alors, on peut faire trois extensions. Alambic de spiritueux polonais. Cool. Alors j'imagine qu'on peut l'améliorer aussi. Même pas d'ailleurs. Faire du whisky. Du colorant alimentaire. L'enfer. On peut transformer en alambic à whisky, mais non, non, on veut du gin, nous, il n'y a pas de souci. Faut juste que on amène un petit peu de sous pour ça. Ok. Gros engin noir, il va récupérer un peu de sous. Bon, 1000 balles par exemple, ça devrait suffire. Et on va aller faire un coucou à ce monsieur. Voilà. Un petit revolver supplémentaire pour l'équipement. Voilà, le Colt, ça sert toujours. On commence à avoir un petit peu de dèche de seigle. Mais c'est ce qu'on produit ici, ouais, donc c'est bon. Au niveau du reste, le sirop de maïs, on a largement ce qu'il faut, et le blé, on a largement ce qu'il faut aussi. D'ailleurs, il y en a encore plein d'autres là-bas, si on veut. On va se faire un plaisir d'aller chercher. Flo, du coup, tu récupères les sous qui restent. T'as 3 Thompson, tu vas aller les déposer ici. Ça me paraît plutôt sain, personnellement, Canton, je trouve. C'est aussi en général ce que je vise, même si des fois j'y vais un petit peu comme ça, à la fraîche. T'es descendu trop bas, Flo. Hop là. Bon, allez, dans les speakeasy, de toute façon, globalement, ce qu'on fait, c'est vendre plus.
vendre plus pour autant quoi, enfin sans que ce soit, enfin comment dire, ça nous consomme aussi plus d'alcool donc ça peut aussi poser problème. Et je vois que l'épisode de VOD est bien trop long, on va donc arrêter l'épisode de VOD là si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le chat. Je répondrai à ta question juste après, enfin c'est vrai que je bois un petit coup d'abord. Et merci à toutes et à toutes, et à très vite pour la suite.